retour de John Gabilou. Bonjour John. Alors on s'est vu hier soir parce que il y avait un documentaire qui est passé sur toi avec beaucoup d'émotion. J'étais assez ému et très attentif à tout ce qui se passe parce que j'avais pas vu les images. Quand on a tourné ça avec Philippe Saint-Esse, hein, Saint-Esse, à qui on dit bonjour parce qu'il était occupé là. Oui. Alors quand on a fait ça avec Philippe, on a été à Nouméa. Je pensais qu'il allait mettre des images, d'autres images de Nouméa, mais c'est pas grave, c'est lui le patron. Hein. Ensuite, on a été en France, on a été rencontrer Jean-Paul Carras. C'était pour moi, c'était important cette rencontre-là, parce que c'est avec lui que j'ai fait l'Eurovision. Hein. Et donc, comme dans ma vie artistique, l'Eurovision a été le tremplin le plus important de ma vie. Et oui, parce que devant des milliers d'Européens, puisque l'Eurovision... 600 millions de téléspectateurs quand même, ce soir-là. Oui, c'est vrai que le grand théâtre à côté, ça fait petit. Non, petit. Et donc, pour moi qui débarquais en France, enfin, qui avait quand même, je savais déjà où j'allais. Hein. C'était après ton premier séjour en France ? Non. Non, tu avais déjà fait tes armes. Oui, j'avais déjà chanté. Il y a une émission qui a passé hier soir dans le film, où j'ai chanté avec Mick Michel, la petite bonne femme. Ah, avec ses beaux yeux et sa voix. Hein. Et donc... C'était la dame qui lançait les nouveaux chanteurs. Oui, un peu comme Mireille aussi, toutes ces émissions-là où on lançait. Mais elle, Mick Michel lançait plutôt des jeunes dans le vent, dans IN, ouais, comme on disait. Voilà. Et donc, j'ai eu de la chance de pouvoir participer. Hier soir, c'est la première fois que j'écoutais ça. Oui, c'était parce que je te voyais, moi j'étais derrière et je voyais en même temps. Et des fois, de revoir les gens comme ça, ça t'a fait un choc émotionnel. De savoir que j'aurais pu être une grande vedette. Mais pour nous, tu es une grande vedette. Si le destin avait voulu. International, je parle. En fait tu regrettes de ne pas avoir eu un destin international ? Mais non, j'ai essayé. Apparemment, le destin m'a tracé autre chose. Parce que la première fois que j'ai rencontré quelqu'un d'important, c'était à la CBS Burbank, à Los Angeles. Je chante « Laisse-moi t'aimer », le mec subjugué, il dit « Arrête, ça suffit ». Mais moi, j'étais tenu par un contrat administratif ici. Il fallait que je me le libère. Et ils t'ont pas lâché ? Non, j'ai demandé 6 mois de congé sans sol, ils n'ont pas voulu. Foutu. Ensuite, il y a eu Clo-Clo, j'allais à l'école 3 fois par semaine pour le vocal, avec une dame qui s'appelait René Doria. Quand je me suis entendu hier soir, je me suis dit « Qu'est-ce que j'avais une belle voix ». Oui. J'ai toujours une belle voix, mais avec une corde vocale en moins. Alors, c'est ce que j'admire, parce que finalement, tu as eu un grand trou noir, puisque tu as eu une paralysie des cordes vocales. Moi, j'avais la trouille de ma vie. Alors, comment ça s'est passé, ça Je suis parti en France, en Evassan. Ils ont voulu opérer ma gorge, j'ai dit non. Après, la dame, le professeur m'a dit, ah, ça va être long. Il dit, mais ça fait rien, je ne vais pas être opéré. Et tu connais la cause ? C'est suite à une manipulation ostéopathique. Mince alors. Le gars, il n'a pas fait exprès, mais... Oui, ou alors c'était un concurrent. Il m'a touché au mauvais endroit. Et on a trouvé ça à l'IRM, là-bas. Un caillot de sang a été bouché, une partie de mon cerveau qui a touché en plein la corde vocale. Ça m'a paralysé. On appelle ça le syndrome de Van-Helbeck. Ça m'a paralysé le côté droit. Et j'ai récupéré les mouvements, mais pas le nerf. Si je suis toujours scindé en deux. Oui, mais quand même, moi, j'étais entendu chanter avec un côté des cordes vocales et c'est extraordinaire parce que tu as quand même retrouvé une puissance vocale et la voix qui est toujours là. Bon, ça n'est plus la voix... Non, on sent les connaisseurs dans la rue, partout, ils me rencontrent, ils me disent, Gabilou, ça n'a plus la même voix. Ceux des Barefoot, par exemple, les gens qui aiment le Barefoot Boys, les gens qui aiment Gabilou, tout court. Mais je suis vraiment heureux de pouvoir rechanter. Oui, parce que finalement, ça aurait pu ne jamais se refaire. Quand j'étais à l'hostel, où j'ai dit appeler Mouyadet, Arnaud lui dit reviens, tu vas chanter toi. Je vais être ton manager. Je parlais comme ça. C'était affreux. Mais j'ai vraiment eu de la chance aussi de tomber. Mais tu t'es battu. Sur cette orthophoniste de l'avoir chanté. Elle m'a donné 7 séances. Elle m'a dit amène une guitare. J'ai amené un ukulélé, je chante. Et maintenant, il y a Owe. Pas avec cette voix-là, mais une petite voix. Elle m'a dit, tu vas vite guérir. Elle m'a donné tous les exercices. Je suis revenu à la maison 1 an.
tous les matins avec Moyata. Je faisais mes exercices. Un an plus tard, je fais une émission à RFO, je chante Oh my love avec Islamé. Hop, un producteur s'amène le lendemain, on refait un CD. Tatote Parahira, c'est sur les artistes avec du saxo dedans. C'est Georges Touré qui l'a enregistré. Hop, c'est reparti. Et avec ça, plus je chantais, mieux ça valait. Oui, comme si les cordes s'assouplissaient et tu mais, retrouvais ton... Alors moi, quand je retrouve ma voix, je retrouve à mon ORL, il me dit, tu as toujours la corde vocale droite paralysée. Toujours. Oui, c'est ce que je veux dire. Et ils sont émerveillés. Oui, mais c'est incroyable. Normalement, on ne devrait pas avoir... Par les prouesses vocales que je fais. Oui. Ah oui, c'est la volonté aussi. Ouais. Ah non, j'ai un moral là. Oui. Ben oui, parce que ça aurait pu te détruire. Et en fait, tu es reparti... Avec une nouvelle vie, une nouvelle carrière. Quand je regarde ma carrière en France, au début, j'avais trois grands enfants qui étaient ici et qui avaient perdu leur mère. Et donc, c'était un déchirement terrible. Quand on a lancé la chanson Please Don't Forget Me, j'ai dit ça à la télé, dans l'émission. Boum, je perdais leur maman. Oui. J'étais lancé la chanson sur toutes les radios télé. Quand j'ai... Mon manager, c'est celui qui prend le téléphone et on lui annonce que je venais de perdre ma femme. Il était comme ça. Il ne parlait plus. Il faut que tu l'appelles Tahiti. Et j'ai... Bon, bref. Ça a été... C'est ça où je parlais de malchance. Oui, ça a été difficile aussi parce que c'est un coup du sort. La deuxième, tu te lançais... Là où je voulais plus être lancé également, c'était quand j'ai chanté pour Clo-Clo. Et oui. J'ai chanté 6 fois pour lui. Tous les soirs, il me demandait, demain je signe. On ne discute pas, je chante ce soir... Demain, venez dans mon bureau. Moi, dans le bureau dans ma loge, et je me dispute avec mon manager. Il dit, on va quitter Barclay. Je ne sens pas Barclay. Alors, on n'a pas quitté Barclay. Bon, mais tu pouvais le quitter ou c'était avec les contrats. Oui. Hein? Mais je crois qu'il y avait quelque chose. Il y avait une petite anguille sous roche, là. On m'a appris ça plus tard. Il y avait Mike Brandt qui était aussi là, chez eux. Oui. Je me demande si on ne m'a pas signé pour m'empêcher de faire de l'ombre à Mike Brandt. On a chanté 8 fois, je devais chanter 8 fois avec Mike Brandt, on m'a tout payé les 8 fois, j'ai chanté 2 fois, on me coupait la sono, je chantais a cappella. Ben oui, parce que finalement, quand on voit un petit peu vos portraits de l'époque, il y avait une ressemblance. Bah, les gens, excuse-moi, tu es en meilleure forme que lui à l'heure actuelle. C'est vrai. Ben oui, ça t'a permis aussi de faire toi une autre trajectoire. Quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, ben ils se sont trompés de cheval, ils auraient dû prendre Gabilou à la place de Mike Brandt. C'est pas grave. Mauvais plan. Moi, quand je me suis regardé hier soir, j'ai dit, ah, mince, alors je savais que j'avais le potentiel international, vocal, look aussi. Oui, tout à fait. Ouais. J'avais pas ce bidon. Hein. Ah, mais aussi, c'est un homme moelleux, c'est agréable. Et donc 76 kilos à l'époque. Et donc, mais je voyais en moi, à cette époque-là, l'envie de réussir. Le sport tous les jours. Barre fixe, pompe, abdos. 3 fois par semaine, j'étais à mes cours de chant. Et la dame qui me donnait les cours de chant, Renaudet, elle m'a dit, mais tu devrais faire de l'opérette. Ah oui. On a fait un showcase, comment on dit ça, comment on appelle, un test au Châtelet. On était 2, c'est l'autre qui a été choisi. Il chantait aussi bien. Oh, baryton un peu plus fort que moi j'étais baryton léger. Mais c'est pas grave, je ne voulais pas être dans l'opéra. Moi. Mais de toute façon, ça descendait un peu les opérettes. Hein. Ouais. C'était plus tellement... C'est elle, c'est René Doria qui voulait me mettre là. Tellement elle trouvait... Écoutez ma voix, ça, comment elle était pure. Oui, tout à fait. Quelle pureté de voix. Sortait comme ça. J'étais émerveillé de moi-même parce que je n'ai jamais entendu ces chants-là. Et oui, et tu te dis... Ah, mais justement, c'est bien aussi de se dire, je l'ai fait. Bon, on ne peut pas être et avoir été aussi. Hein, parce que là, à l'heure actuelle aussi, c'est un vrai bonheur de savoir qu'il y a des projets.
Oui. Que tu sors encore décédé, que tu fais la pub pour le 23 mai. Tu as vu, je l'ai dit à la ta place. Oui, vous mouillez tard. Voilà. Ensuite, on va en Calédonie le 3 et le 4 juillet. Je fais un grand concert là-bas. Il y aura à peu près 4-5 000 personnes. Mais, alors, je suis aimé en Calédonie. C'est quand même une carrière internationale. Au moins dans le Pacifique. Puisque si tu m'as dit que tu as chanté aux États-Unis il n'y a pas longtemps. En Nouvelle-Zélande. Je retourne aux États-Unis, je fais un grand concert le 26 septembre. Et enfin, hop, pas encore un peu de pub. Pub encore. C'est bien. Et donc, non, mais ça sont les projets. Mais aujourd'hui, en parlant de ce documentaire, je suis vraiment heureux que ça soit Philippe qui l'ait fait. Je connais Philippe depuis qu'il est de son plus jeune âge. Sa mère était animatrice de Radio Tropique, Radio Soleil d'abord avec Jeff, Radio Tropique après Radio Bleu. Sa maman, la maman Philippe, elle s'appelait Francette. Et donc, elle n'a pas pu venir hier soir parce qu'elle avait mal. Mais Philippe, il a la veine. C'est lui qui a fait le truc. Il a sa façon de positionner les images. Il y avait d'autres images ici qui étaient magnifiques et je lui ai posé la question ce matin. Il m'a dit non. C'était ça, plus intimiste choix. En fait. Ouais. Parce qu'on t'a vu, on a vu aussi tes amis, on a vu les gens qui t'ont lancé, on a vu l'émotion, on a vu ta poirie dire respect tonton. Je veux dire, on a vu aussi tout cet amour qui t'accompagne. Oui. Que tu n'aurais peut-être pas eu si tu avais eu une carrière internationale et. Peut-être pas. Peut-être voilà. Pas. Parce que, regarde, souvent, les gens sont... Mais non, mais moi, je restais très simple. Hein. Voilà. Je restais très simple. Et quand j'ai fait l'Eurovision, j'ai joué aussi avec la malchance. Je vais t'expliquer pourquoi. Le jour où on m'a interviewé, j'étais sous une clim. J'ai demandé aux journalistes si je ne pouvais pas bouger. Show off, ça veut dire. Il est fier, ce mec-là. Ils n'ont plus voulu m'interviewer. Il dit, bon, on reste là. C'était un jeudi à midi. Le soir, j'ai mal à la gauche. Oui, non, ils n'ont pas compris qu'un chanteur a besoin de faire attention à sa voix. Là, j'ai appelé Jean-Paul, j'ai été voir les docteurs, il faut me piquer, il faut arrêter. J'ai chanté avec une corde vocale le soir de Oumanaam. Et pourtant ? Personne n'a rien vu. Alors, ce documentaire va passer lundi soir sur Polynésie Première. Ouais. Il y avait tout le gratin de Polynésie, là, ils étaient tous là pour soutenir. Ben, tu sais, Jean-Philippe. J'étais content qu'il m'ait posé la question. Tu veux pas qu'on fasse un documentaire sur toi ? Il dit pourquoi pas. Au moins, quelqu'un qui pense à moi. Bah oui, pas toujours des politiques et des histoires comme ça. Au moins, il y a de la gaieté, il y a de la chanson, il y a de la culture. Le grand défaut ici, on rend hommage aux gens quand ils sont morts. Oui. Donc là, c'est bien. Je suis bien vivant et je pense de rester longtemps encore. Ah bah ça, il y a des chances. Vu la pêche que tu as, ça ne m'étonnerait pas. Donc allez, vas-y, je te donne le droit de donner tous tes projets. Vas-y, le 23 mai. Le 23 mai, j'ai mon CD qui est sorti là, le Morinda. 23 mai, c'est le gala de Mouyata à Toata. Donc on y sera. Ouais. Il faut venir. Bien sûr. Et alors, donc, on regarde la télé lundi. Il y a 3000 places à vendre, j'ai déjà vendu 1000. Ah, ben alors là, regarde, j'entends... Ah ben, 500 de plus, là, j'ai entendu. Non, ça va très vite. Quand je travaille pour quelqu'un d'autre, je suis beaucoup plus fort. Ben, alors, qu'est-ce que ça va être? À chaque fois, elle a fait le plein. Hein. Voilà, mais je te remercie parce que là, on va être coupé. C'est l'heure du direct quasiment. Je te remercie. Merci. C'est un plaisir. Merci, Martin. Morinda, Morinda, you make me feel great. Morinda, Morinda, you make me feel healthier.